Ouais, shalom, shalom, prophète Joël Grasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Voilà, je suis sur mon compte Facebook justement pour donner de mes nouvelles. J'étais hier, je crois depuis vendredi, je crois vendredi à Marseille. Et hier nuit, j'ai passé la nuit à Nîmes avec ce grand monsieur. Voilà, ce grand monsieur. Shalom. Voilà. Donc, on est maintenant en route là pour Toulouse. On repart en Toulouse. Et je serai à Toulouse jusqu'à à lundi. Et plutôt mardi. Voilà, ce grand monsieur. C'est un Shalom grand, à c'est un tous. grand, c'est un chougouya empoisonné. Mais heureusement qu'on a l'homme de Dieu, le prophète Crasso, l'envoyé de Dieu. Ouais. Parmi les ouins. La ville de Nîmes. Waouh, je découvre une ville superbe. Une superbe ville. Voilà, donc je retourne. Non, pas ma base. Ma base, c'est Lyon. Ma base, c'est Lyon. Ouais, Benson. Shalom, mon fils. On se verra en janvier. Voilà, donc je suis à Marseille. Et après Marseille, je croyais on a fait un petit crochet à Montpellier. Ouais, et puis bon, on a passé la nuit à Nîmes, une très belle ville, Nîmes. Voilà, ensoleillée. Voilà, donc je pars maintenant à Toulouse. Voilà, Toulouse. Nîmes, c'est une très belle ville, hein. Vous voyez, regardez un peu la verdure. Je croyais à Zaroko là. C'est que ici est trop joli. Mais la route est praticable, attention. Ouais, mais il y a ça aussi. Une très belle voie. Hein. C'est pas comme c'est nous, c'est ni d'Autriche. Voilà. Ah, mais donc c'est qu'à 5 étoiles encore. Ah. Ah, mes épaules là même, ça a tombé ou bien. Ok, merci pour les étoiles. Voilà. Et ne ratez pas le programme de Paris le 8 au 9. Programme de Paris. Voilà. Très belle ville. Non, c'est une ville moyenne, mais bien active, hein, mais relativement calme. Voilà. Mais quand on fait la fête, on la fait. Et ça, c'est pendant la période de la feria. La feria, c'est-à-dire que c'est la fête des gens d'origine espagnole là, qui font ça. Donc, c'est la tauromachie. Voilà. Et donc c'est la paella à fond la caisse. Ah ouais, avec la Ah, le musique. soleil ici. Et là on est non loin de la mer. Là, dans cette direction Ah, là. Dans cette direction, c'est la mer, là. Ah oui, c'est la mer là. Wow. Bon, 15 minutes on est à la mer. Avec Mortor, la grande motte, c'est là. Regardez la voix des gens ici, là, regardez bitume. Nous, on n'a ni d'Autriche à marcher. Ça gâte nos voitures, ça gâte nos voitures. Mais c'est bizarre ici, hein. Parce que de l'autre côté, à 17h, il fait déjà nuit. Où c'est? Bon, je ne suis pas de Lyon. Ah! Parce qu'avec Ah l'heure de l'hiver, là. Oui, c'est vrai que Lyon, c'est. À Paris, il faisait déjà c'est sombre. C'est le temps, ouais. Ça c'est le fleuve là, l'eau là? Non, non, ça c'est le bras de mer? Même pas. C'est un retenu de le paysan. Ah, ok. C'est un bassin là. Que le paysan puisse irriguer leur champ.
Les blancs, ils prévoient tout. Ah oui. Ici, il y a soleil. C'est la verdure, la même, surtout. Ici, c'est beaucoup plus dégagé. Parce qu'on est non loin de la mer. Hein. Donc, ça aussi, ça joue un peu. C'est le climat. Sur Lyon, c'est le froid. Le chef d'état-major, 5 étoiles, Ludovic, lui, il a pris les 5 étoiles. Moi, maintenant, j'ai 30 étoiles. Ah bon? Ben ouais. On veut Ludovic, le centrafricain. Ouais. Il y avait un jeune, là, qui avait sa petite voiture rouge. Hein? Mais je voulais à tout prix que le prophète monte dans sa voiture. Ah oui, mais justement, il a monté dans sa voiture. Ah oui, non, c'est, mais... C'est Renault, c'est Arnaud. Déjà, pourquoi on a te chercher? Ouais, c'est vrai. Il voulait. Voilà. Ludovic a tout fait pour qu'on aille ensemble. Mais au retour, Ludovic voulait que je me gare. Mais il a tout fait pour prendre ma place. Il a posé ça quand je suis sorti. Il a cherché. Ah, celui-là, il veut que le prophète bénisse sa voiture. C'est pas possible. Non, mais il était sorti de la croisade, la fatigué. C'était fort. Hein. Ouais, c'était fort. Ah, c'était fort. Putain, ça tombait dans tous les sens. C'est l'homme fort de Nîmes. Nîmes. Ah oui. On a l'homme de Dieu avec nous. Le OM parmi les OM. Le prophète Joël Krasso que le Seigneur nous a envoyé. Et en tant que panafricain, ma foi est redevenue aussi sincère et encore plus fort. Amen. Voilà. Parce que c'est pas une histoire de religion, mais c'est une histoire de croyance. Ouais, c'est tout. Voilà. Amen. Au nom de Jésus. Ouais, amen, amen, amen. Ben de Miami, ancien colonel de la brigade à Miami, le seul gars de Miami. Je souffre, on s'attrape bientôt. On se verra en Italie là. Ah ouais. Non mais une année, on ira en Italie. Ouais. Italie. Ouais, là. Les histoires de pâtes là. C'est vrai que maintenant que avec Pasteur Armand. Face à tout aussi. Et Dieu merci. Tu nous as tellement dégagé les routes de partout. C'est moi, à un moment, je pensais même pas aller en Côte d'Ivoire. Mmh. Et depuis mars, j'ai dit à mon petit frère, mais. Non, c'est fini. L'année prochaine, on va en Côte d'Ivoire. C'est bien bon. Je dis, oui, on va en Côte d'Ivoire. Je serai la bienvenue en Côte d'Ivoire. Ah ouais. Non. Plus le temps passe et encore je me sens encore plus fortifié. Amen.
c'est les stations, j'espère. Avant qu'on ne prenne la route et qu'on fonce, quoi. Parce qu'on ne sait jamais, avec les histoires des pneus. Hein. Ouais. Toutes vos voitures là, ça parle. Ah, ah non, non, histoire de Banja là. Monter, calé. Non, descend. En grouillant, ça va. Ah, oui, là, je fasse la saut d'oreille. On nous aller pour Toulouse. Ouais. Tous les gars de la brigade anti-sorcier. Nous, on est révoltés contre les mangeurs d'âmes. Les gens, les hommes sont les êtres humains. Ne sont pas des agoutis, s'il vous plaît, les sorciers. Je vous dis s'il vous plaît parce que je suis poli. Mais les êtres humains ne sont pas de vos viandes. Respectez l'être humain. Et j'ai compris que nous, les Noirs, là, on est trop dans la sorcellerie. C'est vrai que les Blancs, ils font la sorcellerie, ils sont dans l'occultisme, ils font la magie et tout ça. Mais le Noir, quand il voit quelque chose, il veut gâter. Le Noir, quand il voit bonne chose, il veut gâter. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Tu vas prendre ton frère Noir, tu vas l'envoyer dans ta société pour dire, fais pitié. C'est lui-là qui va venir gâter ton entreprise, va venir chier dedans. On appelle ça chez nous Gungini. Il va comprendre, il va dire, mais pourquoi lui, c'est lui qui prospère. Mais pourtant, tu étais dans la galère et c'est ce monsieur-là qui t'a hébergé, qui t'a donné, n'est-ce pas, du boulot. C'est pour ça que vous allez voir que tu vas avoir une bonne femme. Ici même en France, tu as une bonne femme. C'est cette femme-là que tous les Noirs la convoitent pour t'arracher cette femme. Pourquoi on est comme ça? Quand quelqu'un est bon, on cherche à le détruire. C'est un esprit de nègre. On cherche à le détruire. Tu vas rentrer chez ton voisin. Tu vas voir le chat. Le pauvre chat qui mange la sardine, toi tu veux le manger, tu veux manger chat, tu veux faire kegenou et le pauvre chat, mion. Pourquoi tu es comme ça? Il y a des gens même sur le chien qui convoitent. Le chien. Milou, il veut le manger Milou. Et puis boire Chapalo. Soyez délivrés de l'esprit. Nous on n'aime pas conserver les choses. C'est ça nous les Noirs. On a ce problème-là. Les Blancs, ils aiment conserver. Quand ils voient, il faut préserver l'espèce. Faut préserver l'espèce. Or, nous, on ne veut pas préserver l'espèce. On veut détruire. Tout ce qui est bon, on cherche à gâter. Tout ce qui est bon, on cherche à gâter. C'est pour ça que vous les voyez toujours sur les réseaux sociaux en train d'insulter, en train de parler. Les Blancs n'ont pas ce temps. Peu importe ce que tu es, lui, il en avance, il s'en fout de ça. Pourquoi on est comme ça, nous les Noirs, nous les Nègres? Que Dieu nous aide. L'esprit de jalousie. La jalousie, c'est un puissant stage pour devenir sorcier. On a ce problème. C'est pour ça qu'ici, en Europe, les Chinois, c'est les Chinois qui vendent, qui ont le boutique des marchés africains et les Indiens. Quand tu vas faire pour toi, il va aller acheter ailleurs. C'est là qu'il voit qu'il faut qu'il mange à McDo. Il ne va pas aller dans ton restaurant. C'est là qu'il voit qu'il faut qu'il parte manger à McDo. Parce que s'il vient te donner l'argent, tu seras riche. Pourquoi on est comme ça? Il trouve que chez toi, c'est ce que tu fais là, périmé. Il trouve que chez toi, tout ça, c'est pour l'Indien là qui est bon. Parce que tu es son frère noir. Il ne veut pas te donner l'argent. Or, les Chinois, ils travaillent entre eux. Et nous, les Juifs, travaillent entre les Juifs. Mais quand nous, les Noirs, c'est difficile pour nous. Même dans nos corporations, affaires de Dieu, là. Même ça aussi. Même ça aussi. Oh. Où on ne devait pas faire jalousie, là. Il y a jalousie dedans. Oh. Le prophète Crasso voyage. Mais c'est parce que Dieu me bénit. Voyage là, attends. Il a dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ton problème, il est où? Attends, ton problème est où? Si je voyage, ça fait quoi? Ton problème, il est où? Alors, voyage aussi, c'est la grâce, chacun a son temps. Mais vous vous plaignez, c'est parce que c'est mon travail. Je sais bien faire mon travail. C'est parce que je suis loin. C'est pas n'importe qui qu'on invite. Vous êtes jaloux. Ah, faut pas venir ici, ah, faut pas venir ici. Mais attendez, pourquoi nous? C'est nous les Blancs, les Noirs. Les Blancs m'ont vu aux États-Unis, ils m'ont dit, le monsieur, il faut que toi, on te protège, parce que tu es bien. Il faut qu'on te protège.
Mais j'ai compris, c'est ça que moi, ça ne me dit rien, tout ce que les gens rencontrent, ça me dit absolument rien. J'avance, ma destinée. Quand tu as une forte destinée puissante, une étoile qui brille, tu seras victime des agressions verbales. Les gens vont, ils vont t'attaquer verbalement, ils vont vouloir te nuire, mais reste tranquille, reste serein. Parce que les langues là, qui se lèvent contre toi sont en train de préparer ton élévation. Nous, les Noirs, c'est ça. Les Noirs, c'est comme ça, ils sont. C'est pour ça que les Blancs, ils ont pris seulement un miroir et puis on a vendu tout le village. Parce que tu vois ton visage, tu vois ton nez. J'ai vu ton gros nez noir. Tu vois qu'il faut vendre, n'est-ce pas, Digbé, il faut le vendre à un Blanc. Parce que tu as un miroir chez toi. Vous comprenez? Les Chinois, ils travaillent entre les Chinois. Tu ne vas jamais voir les Chinois, ils travaillent entre eux. Ils sont solidaires. Ils sont très solidaires. Tu ne vas jamais voir funérailles d'un Chinois. Hinhon est mort, on ne sait pas où on l'a enterré. Peut-être qu'il est dans le congélateur, on ne sait pas. Parce qu'eux, ils mangent tout. Ils mangent tout. Mais personne ne va dire où Hinhon a été enterré. Oh, si un Noir travaille, il va dénoncer tout ça. Ça, c'est certain. Eux, ils gardent le secret. Ils travaillent entre les Chinois et ça marche. Un Chinois va chercher tout le village pour venir embaucher le village dans son entreprise. Mais quand tu vas vouloir aider le village, c'est le village-là qui va te détruire. Pourquoi on est comme ça, Nyan les Gribaud? Tu vas prendre quelqu'un à Ouragayo, tu vas l'envoyer. Mais c'est lui qui va prendre ta femme. C'est ta femme-là, il va vouloir détourner. Il est possédé comme chat. Miaou! On a délivré l'esprit de chat lion. Pourquoi les gens sont comme ça, nous les Noirs? Pourquoi on est comme ça, nous les Noirs? On est comme ça. On garde tout sur nos passages. Il faut que cette mentalité-là change. Cette mentalité-là change. Ne voyez pas... faut pas voir ton prochain. S'il a été béni, il est béni, gloire à Dieu. Et toi, il faut attendre ton temps. Il faut attendre ton temps. Les Chinois sont solidaires. En 1960, ils étaient inférieurs à la Côte d'Ivoire. 2017, on ne peut même pas les attraper. Parce qu'ils sont solidaires. C'est ça, le manque de solidarité entre nous. Nous, quand on est quelque part, on gâte. On veut vouloir gâter. Ta soeur a fait son salon de coiffure. C'est le salon de coiffure, là, tu es jalouse. Tu veux gâter le salon de coiffure. Tu détournes les gens. Ah non, elle n'est pas bien, elle n'est pas bien. Mais pourquoi on est comme ça? La vente, pauvre dame, elle vend claclo baigné de bananes. C'est ça que tu veux gâter. On a un esprit de nègre. Et cet esprit-là, hein, c'est un esprit destructeur. Pourquoi on est comme ça? Il faut que le noir change. L'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. Arrêtez de dire, rencontrer des conneries. Sans les blancs, nous ne pouvons rien aussi. Parce qu'ils nous ont apporté l'éducation. Mais nous-mêmes, les Noirs, on ne s'aime pas. Et j'en profite par cette vidéo. Nos sœurs sont vendues. C'est vrai qu'on s'est levé pour la Libye. Mais nos sœurs sont vendues. Actuellement, elles sont comme esclaves au Koweït. Ces agents de Prosnet en Côte d'Ivoire. On les fait passer par le Ghana. Aujourd'hui, nos sœurs, elles subissent des atrocités au Koweït. Il faut que l'État ivoirien, parce qu'on a beaucoup de messages de nos sœurs qui nous écrivent, qui ont été embrigandées là-bas. L'esclavage sexuel, c'est pratique de nos jours encore. Au Koweït, nos sœurs souffrent. Il n'y a pas de repos. Elles ont que peut-être 2 heures de repos. Elles travaillent toute la nuit, 24 heures sur 24, elles travaillent 22 heures de boulot. Au Koweït, il y a nos sœurs. Si vous avez une sœur au Koweït, priez pour elle. Nous dénonçons cette pratique. Nous n'avons pas d'ambassade au Koweït. Nous n'avons pas d'ambassade au Koweït. Notre ambassade n'a pas de consul. Notre ambassade se trouve à l'Arabie Saoudite. Mais nos sœurs souffrent. Elles souffrent au Koweït. Et ce sont nos propres affaires africaines qui sont dans ce deal-là, qui vendent nos sœurs aux Arabes, au Koweït. Nos sœurs souffrent là-bas. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Faut l'envoyer quelque part, il va gâter.
C'est ça le problème. C'est cela que convertissons-nous. Donnons-nous à Dieu, il va nous transformer. Seul Dieu peut transformer l'Africain que nous sommes. Seul Dieu peut transformer l'Africain. Le blanc, ce que tu es, ça ne l'intéresse pas. Si tu veux, habille-toi nu. Ici, là-bas, il y a des gens qu'on appelle les nudistes. Nudistes, non? Oui, nudistes. Nudistes. Et ils sont dit, tu as juste ton vélo. Ça n'intéresse pas le blanc. Mais nous, on va chercher à savoir ce que tu manges. Comment tu vis ta femme. Et quand on sait que ta femme est bien, c'est ta femme-là que tout le monde... Même à Paris, c'est comme ça. Les gens détournent les femmes des gens. Les gens détournent les maris des gens. Avec cette mentalité, nous voulons développer l'Afrique. Mais mon œil, changeons de comportement, donnons-nous nos vies à Dieu. Même nous-mêmes, les pasteurs, entre nous, il y a des critiques. On cherche à se bouffer le nez. Mais la destinée, là, chacun a son étoile. Quand moi, je souffrais à Zaroko, je me lavais avec eau de Marco. Et je mangeais un bon tous les matins. Par moment, il faut manger un bon. Et puis, banane brésil. C'est comme ça. Il faut s'adapter quand tu es quelque part. Il ne faut pas faire mal. On ne portait pas de cravate là-bas. Aujourd'hui, quand je voyage dans première classe, ça vous énerve. Vous trouvez que le prophète Crasso allait faire fétiche. Il a fait ceci, cela. Mais c'est la mentalité des Noirs. Quand tu commences à prospérer, tu trouves qu'il y a quelque chose derrière. Mais attends. Mais là, donc, tu ne peux pas bénir quelqu'un alors. Vous voyez? Le blanc, il va t'aider à avancer. Mais le noir, il va chercher à te nuire. Il faut changer de mentalité. Il faut changer de mentalité. Voilà, il faut changer de mentalité. Cette mentalité-là, ça met l'Afrique en retard. C'est cela que nos pays sont bradés. On brade nos porte-terres et tout ça. C'est ça. Il faut que l'Afrique change. Il faut que l'Afrique change de mentalité. Il faut que nous changeons de mentalité. Et ça, c'est vraiment très important. Ceux qui crient, là, ce sont des Africains. Les Blancs, ça ne les intéresse pas. Que tu sois comme ça, que tu es comme ça, ça ne l'intéresse pas. Il s'occupe de sa vie. Point barre. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Tu vas acheter une voiture en Europe ici, on te dit, ah non, tu as vendu de drogue. Pourquoi c'est toi qui achètes la meilleure voiture? Ils vont commencer à bavarder. Mais attends, ton problème, il est où? Ton problème, il est où? Voilà. Pourquoi nous, les Noirs, là, on est jaloux? Oh, la jalousie, c'est un puissant stage pour devenir sorcier. Trop jaloux, tu deviens sorcier. Ceux qui critiquent, là, c'est des sorciers. Voilà, donc la Bible dit que ne t'assois pas en compagnie des moqueurs, des critiques, des gens qui font des pratiques, là, des critiques, dans le lit de Somme. Évitez ça. L'Afrique a mieux à faire que ça. L'Afrique a mieux à faire que ça. Nous avons beaucoup de nos terres là-bas. Nous avons besoin de développer nos terres. Arrêtons de ces conneries. Arrêtons ça, tout ça. Arrêtons ces conneries. L'Afrique a besoin d'avancer. Comprenez, il faut qu'on avance. Arrêtons ces histoires. Voilà. Vous allez voir des gens à Paris, ils n'avancent pas parce qu'ils sont dans les... On dit. C'est vous toujours qui êtes dans les funérailles. Vous faites toujours les funérailles. Vous êtes à Paris, vous dansez bébé. Ça veut dire quoi ça? Toujours c'est vous qui dansez bébé. Tous les samedis, vous êtes venus vous chercher, écoutez. C'est vous toujours, on a l'impression que vous avez exporté, n'est-ce pas, la sorcellerie. Vous avez envoyé ça. Dans les clans. Si vous voyez une personne qui dit, qu'elle toujours dit, on dit. On dit que faut éviter cette personne, faut fuir cette personne. Elle est en train de pratiquer la sorcellerie. La vie de l'autre, ça doit rien te dire. Toi, continue. Faut continuer ton chemin. Si tu penses qu'il est dans du faux, faut prier pour lui. C'est pour ça qu'il veut le cœur. Il faut avoir un esprit qui est saint. Faut pas avoir un mauvais esprit. Les gens, ils ont le mauvais esprit. Toujours chercher des bouts d'émissaire, chercher souvent des mauvaises choses dans la vie des gens. Ils veulent toujours chercher des mauvaises choses dans la vie des gens. Il faut éviter de faire ça. Il faut pratiquer la justice. C'est ce que la Bible dit. De pratiquer la justice. Il faut pratiquer la justice. Parce que tout compte fait, tout se paye sur cette terre. Tout ce qu'on sait faire, ça se paye. C'est qu'un homme aura semé, le moissonnera. Quand vous voyez quelqu'un qui est béni, mais attends, c'est parce qu'il a une histoire, il y a eu une traversée des déserts. Il a payé le prix. Il y a plein de choses. Dieu n'est pas bête. Il n'est pas comme vous d'ailleurs. S'il était comme vous, personne ne sera béni. Donc, écoutez, si quelqu'un est béni, mais attendez, gloire à Dieu, encouragez-le, soutenez-le. Que de le dénigrer, que de chercher à le nuire.
On voit ça un peu dans les clubs ici. Quand un Africain commence à jouer, on cherche à le détruire. Pourquoi nous, les Noirs, on est comme ça? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on a cette mentalité-là? Pourquoi? On fait des clans. On dit que ça ne fait pas avancer l'Afrique. Je suis désolé. Les Blancs, si tu es PD, tu es homosexuel, ça ne lui dit rien. Il ne s'occupe pas de ta vie. Il avance. Il faut que nous, Africains, nous arrivions à ce stade-là. Et que notre mentalité change. Et que nous puissions vraiment, n'est-ce pas, être transformés dans la manière de voir les choses. Pour faire avancer l'Afrique. Et ça, c'est important. On fait des clans. On fait des clans. On est dans. Et puis, ça, des clans pour ne rien faire. Des clans pour aller danser bébé. Funérailles tous les samedis à Paris, tous les samedis de funérailles. Dédicace de tel album. Dédicace de. Attends. Faut travailler. Time is money. Le temps, c'est de l'argent. Arrêtez vos conneries. Toujours en train de faire dédicace de tel artiste. Dédicace. Puis vous êtes surpris aujourd'hui que vous n'avez même pas une case en Afrique. Vous pensez que le temps, là, ça vous attend? Une heure après, ça s'avance. Un jour, en temps de partie. Quand tu es en Europe, il faut travailler. Évite de rentrer dans les conneries. Il faut bosser. C'est le travail qui paye. Arrête de t'intéresser à la vie de ton prochain. C'est de la sorcellerie quand tu t'occupes de ton prochain. C'est de la sorcellerie. Il faut te battre. Toujours en train d'aller dans les soirées. Polier. Gabriel Jimmy est mort. Je suis désolé. Arrêtez vos conneries. L'Afrique a besoin de travailleurs et de bosseurs. Les Américains, ils travaillent. Les Blancs, c'est des travailleurs. Ils n'ont rien chez eux, mais ils travaillent. Regardez leur voix ici, Adlan. Je vais vous montrer un peu. Regardez ici, ils ont travaillé. Vous allez peut-être me dire, je prends ça chez nous, mais ils travaillent, ça. Si aujourd'hui, on demande aux Noirs de venir ici, ils vont gâter tout ça. Si on nous demande de quitter l'Afrique, de venir ici, je vous assure, en 10 ans, on va pleurer pour aller à Niali Gribo, parce que les Blancs vont prendre, vont arranger. Leur rêve même déjà, c'est d'acheter nos villages. Ça veut dire quoi, tout ça? Celui qui a un esprit sain, il avance. Celui qui a un mauvais esprit, il cherche à nuire. C'est quand tu t'occupes des gens. Mais les gens avancent. Quand vous ne connaissez pas l'histoire de quelqu'un, ne l'emmerdez pas. Et puis d'ailleurs, la vie, là, chacun a sa destinée. Voilà, chacun a sa destinée. Et puis Dieu, vous ne connaissez pas l'alliance qui existe entre cette personne et Dieu. C'est pour ça que quand tu vois ton prochain, respecte-le. Parce que tu ne sais pas ce qui sera demain. Tu ne sais pas où tu vas le rencontrer demain. Donc c'est vrai qu'il faut respecter l'être humain créé à l'image de Dieu. Il faut avoir un esprit qu'on appelle l'esprit saint. Il ne faut pas avoir un mauvais esprit. Toujours chercher à savoir qu'il est mauvais, il est comme ça. C'est un mauvais esprit. Toujours chercher à nuire. Ça, c'est un mauvais esprit. Bad spirit. C'est un mauvais esprit. Il faut avoir un bon esprit pour faire avancer ton prochain. Il faut faire avancer ton prochain que de le nuire. Et c'est ce que les gens vivent ici, la diaspora. On a l'impression que vous avez pris de la sorcellerie, vous avez envoyé ça ici. Hein? Vous avez pris de la sorcellerie pour envoyer ça ici. Quand vos frères font un magasin ou un maquillage, un restaurant, vous préférez aller à manger à McDo. Parce que vous ne voulez pas lui donner de l'argent. Les Chinois mangent entre eux. Attendez, les Juifs ont une histoire. C'est un peuple qui a été massacré dans le monde. Mais regardez, en combien de temps, il détient toute l'économie du monde entier. Parce qu'il travaille. Nous avons l'or, manganèse, uranium, tout ce que nous avons. Écouté. Dieu n'a pas lâché l'Afrique. C'est vrai que nous fuyons, nous traversons la Méditerranée, mais l'argent est en Afrique. On vient ici peut-être qu'à cause de l'euro, peut-être. Mais tout se trouve là-bas. Hein? Tout se trouve là-bas. Vous comprenez? Mais comme on est dans la sorcellerie, tu vas faire quelque chose, ils vont vouloir gâter ça. Tu vas faire quelque chose, ils vont vouloir gâter. Moi, j'ai dit aux gens, c'est, tu vas faire une boutique, puis suite, ça va marcher. L'autre va vouloir faire la même chose. Mais attends, il va vouloir faire le magasin près de toi. Parce qu'il n'est pas content de ce que tu fais. Tu prospères, ça l'énerve. Pourquoi on est comme ça, nous les Noirs? Pourquoi nous les Noirs, on est comme ça?
Pourquoi nous les noirs? Regardez les blancs. Les blancs ne se mettent pas sur les réseaux sociaux pour insulter les gens. Ça leur intéresse pas, ça c'est la vie. Les blancs, ta vie reste ta vie. Mais c'est nous les noirs, on est toujours là, en train d'insulter. Ce petit temps-là, tu pourrais aller faire Jossi. Comprenez? Tu pourrais aller faire Jossi. Cherchant à connaître Dieu, on n'a qu'à se donner à Dieu. Donnons nos cœurs à Dieu. Arrêtez ces conneries. Donnez vos vies à Dieu. Voilà, chacun a son histoire. Et puis Dieu, là, il récompense les gens. Donc si quelqu'un est béni, ne le jalouse pas. Hein? Si toi tu prends aura d'avion, que le monsieur va en Air France, ton problème il est où? Un jour Dieu se souviendra de toi. C'est cela. Et quand tu es jaloux, les jaloux là, ils finissent par avoir AVC un jour. Parce qu'ils sont surpris de ton élévation. Ils sont surpris qu'ils parlent mal de toi, mais Dieu te bénit toi. C'est comme ça. Dieu te bénit parce qu'il y a une alliance entre toi et Dieu. Donc frère, si quelqu'un parle mal de toi, tais-toi et toi avance. Mais ne lui donne pas raison. Prie Dieu pour lui, parce qu'il est possédé. Il est rentré dans un stage de sorcellerie. Prie Dieu seulement. Quand vous venez en Europe, on ne sait pas ce que vous faites ici. C'est vous seulement polier, 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 gnawe gimi, gnawe gimi. Dédicace de tel artiste, dédicace de tel artiste. Quoi là même, je crois, je fais dans leur coin. Toujours. Vous avez envoyé qu'on appelle Baron de Yopougon ici. Ah, on est en France. Baron de Yopougon est ici. Jaoseï est ici. C'est-à-dire que vous avez envoyé tous les bars de Yopougon là, ici, à Paris. Travaillez. Travaillez. Vous venez, vous êtes jugolo, prenez quatre magnétiques des femmes pour partir manger. Faites sur vous. Les sorciers, comment une femme peut s'occuper de toi? Tu es malade ou bien? Et non, faut travailler. C'est vous qui voulez bien vous habiller. Hein? Toujours en train de danser, toujours. Et puis, ouais, vous êtes surpris que vous n'avez même pas une case en Côte d'Ivoire. C'est vous qui détournez la femme de votre prochain. C'est de la mode. En langage, je ne vous déshabille seulement devant les filles. Vous déshabillez. Comment vous pouvez avoir le bonheur? Parce que le corps de l'homme, il est sacré. C'est toi qui visites toujours, tu es en train de te déshabiller. Toujours tu es nu devant une autre femme. Toujours tu es nu devant une autre femme. C'est quelle chance? Ton aura sera sale. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Là où on critique, il faut éviter de passer là-bas. Voilà, il faut éviter. L'Afrique doit se battre, la bourgeoisie doit se réveiller. N'ayez pas l'esprit tordu. Voilà, parce que c'est vrai qu'on parle de l'immigration. On parle aujourd'hui de la Libye, mais nous-mêmes, entre nous, ici, là-même, là, ça se pratique. Ici même en France, ça se fait. Ici même en France, on cherche à nuire à son prochain, on cherche à détruire son prochain. Hein? Au lieu de travailler, vous partez danser dédicace de tel artiste. On voit ça sur le Facebook. Dédicace, vous êtes en France, vous êtes venu danser ou bien? Vous avez envoyé un baron de Yopougon ici ou bien? Travaillez. C'est le travail. Moi, j'ai compris que c'est le travail qui fait un garçon. Merci le père. C'est le travail qui fait le garçon. C'est le travail. Il faut travailler. Demain, toi, tu fais une maison. Demain, tu vas préparer ta retraite. Mais vous êtes à Paris en train de danser. Polier, polier, gnawe gimi, gnawe gimi, gnawe gimi. Dédicat de tel artiste, dédicat de tel artiste. Vous envoyez tous les masques. Vous envoyez tous les masques gobés, tous les masques guéris, tous les masques Yakuba. Maintenant, Paris est devenu possédé. Tous les masques sont là. Et le bonus maintenant, c'est critiquer entre vous-même. Chacun veut chercher la femme de son camarade. Ah, on dit cette femme-là, elle a fait reçu l'autre. L'autre a monté sa société de gardiennage. On veut détruire ça. Hein? L'autre a monté son restaurant. C'est là, toi, tu trouves que McDo, là, c'est bon. Toi, tu ne mangeais pas McDo, hein? Mais maintenant, là, quand on dit restaurant, c'est bon chez Ozoa à Paris. Comme Ozoa s'est bien préparé, on aime sa sauce. Toi, tu trouves maintenant qu'il faut aller manger McDo. C'est là que tu manges McDo. Maintenant, ton frère, ta soeur, elle a construit, elle a une boutique de marché africain. C'est là que tu trouves que chez le Chinois, là, il faut l'acheter. Que chez ton frère noir, là, c'est périmé. C'est ça que les Chinois et les Indiens, c'est ceux qui tiennent les marchés africains. Pourquoi nous les noirs on est comme ça?
Pourquoi on est comme ça, nous, les Noirs? Vous vous plaignez aujourd'hui que c'est la Libye et tout ça. Mais ici, même en France, ici, même dans la diaspora, mais il n'y a plus pire que ça. On cherche, on te tue entre nous, on va chercher les fétiches pour tuer ton frère parce qu'il prospère. Chacun a sa chance avec Dieu. C'est cela que frère, quand tu as Dieu, sorcier ne peut rien contre toi. Il faut te convertir. Donnez-vous à Dieu. Tu vas monter une entreprise, ils vont vouloir gâter ça. Pourquoi nous on est là, on gâte? Pourquoi on est jaloux? On veut gâter. Tu prends la société de ton frère, tu prends que c'est pour toi. C'est pas pour toi. Tu es sorcier si tu fais ça. Pourquoi tu es comme ça? C'est pour toujours gâter, toujours gâter, toujours gâter. Et puis on est surpris que d'ailleurs un malheur nous arrive. Parce que tout ce qu'on fait sur terre, c'est on paye. Hein? Tout se paye sur cette terre. Merci, pourtant ils ont les mêmes fournisseurs. C'est vrai aussi, pourtant ils ont les mêmes fournisseurs. C'est les mêmes fournisseurs qui fournissent les deux boutiques. Mais on trouve que chez le noir là, c'est périmé. Et chez le chinois là qui est bon. Parce qu'on ne veut pas payer chez le noir. On ne veut pas. Vous comprenez? Que Dieu nous aide. Moi je suis panafricaniste. Mais pour moi c'est pas de la politique. Hein. Moi je réveille la conscience des gens. Pour que les Africains comprennent qu'il faut revenir à Dieu. Il faut arrêter le fétichisme, le maraboutage, tout ça, là, ça met l'Afrique en retard. C'est pour cela que je suis ici. Voici mon combat que je mène. C'est vrai que ça ne plaît pas à d'autres, mais je ne peux pas toujours plaire à quelqu'un. Moi, je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Je suis là pour servir Dieu. Non, si je ne te plais pas, tant pis. Celui qui ne m'aime pas, c'est un sorcier déjà, parce que ce qu'il veut faire, tu ne peux pas faire. Voilà. Et puis, ce que toi, tu fais, moi, je ne peux pas faire. Donc, chacun fait son travail. Voilà, chacun fait son travail. Donc, tu ne peux pas être aimé de tout le monde. Mais j'ai fait l'œuvre de Dieu. Je sers Dieu. Et puis d'ailleurs, c'est Dieu qui m'a appelé. Quand il me parlait, tu n'étais pas là. Voilà. Donc, ce n'est pas à toi de me dire si je sers Dieu ou pas. Quand il me parlait, tu n'étais pas là. Voilà. Et puis, tu n'es pas obligé de croire ça. Mais l'œuvre seule parle. Ce qu'il est faire là, ça parle. C'est Jésus dit, si vous ne croyez pas, mais croyez du moins à cause des œuvres. Il y a des œuvres. Parce qu'un vrai homme de Dieu, doit aider les veuves et les orphelins. Moi, j'ai construit l'orphelinat à hauteur de 27 millions de francs. Et tous les mois, c'est de l'argent, c'est des millions de francs qu'on investit pour aller nourrir les gens. Parce que c'est ça. Nous, on ne prend pas que la dîme. Donner l'argent. Cet argent, on prend pour aider les pauvres. C'est pour cela que je suis à Divo. Je ne suis pas à Abidjan. Je suis ici pour réveiller la conscience des Africains. Polier, ça met les gens en retard. Ça met les gens en retard. Allez construire en Afrique. C'est vrai qu'il y a la sorcellerie. Mais attends. Mais il faut qu'on avance. Il faut que l'Afrique avance. Arrêtez tout ça. Arrêtez tout ça. Nous les Africains, là, arrêtons tout ça. Mettons-nous au travail. Le travail, là, c'est ça qui est vrai. Le travail, là, c'est ça qui va parler un jour de toi. Donc, c'est le maréchal. Le prophète Joël Crasso, on m'a donné maintenant 30 étoiles. 30 étoiles. C'est mon travail, ça. C'est prier pour toi. Et c'est ce qui est vrai. Je rentre dans un village, un sorcier ne va pas parler. Je le mate. Ça, celui qui veut, qui ne croit pas, il n'a qu'à m'inviter dans son village. J'ai maté le sorcier du village. Voilà. Je suis en France ici, j'ai maté les sorciers de France. J'ai maté les sorciers de l'Angleterre. J'ai maté les sorciers de partout. C'est mon don, chacun a son don. Voilà, donc ne ratez pas le programme de Paris. J'ai du 8 au 9. Nous allons mater la sorcellerie. Amen. Pour ne pas qu'on vous mange, pour que vous rentrez en 2018. Il y aura une forte sanction. Envoyez les malades ce jour-là à Paris. C'est du 8 au 9. Vitry-Sicène. Voilà, vous venez à la salle pour qu'on prie pour vous. Mais n'oubliez pas, Oxycel ce week-end. 24, 25, 26, nous serons en Italie. Nous serons en Italie pour prier pour nos bien-aimés qui sont en Italie. Je suis en train d'aller à Toulouse. J'étais avec ce monsieur. Regardez-le, c'est un grand panafricaniste. Shalom, ouais. Shalom. Voilà, c'est un grand panafricaniste. C'est des gens qui sont posés, assis dans la tête. Et nous prions pour eux, pour que Dieu les rende prospères davantage. Amen. Pour qu'ils puissent venir développer l'Afrique. C'est ça, le contact que nous avons avec les gens ici. Hein. Nous rentrons en contact avec des personnes qui ont une idée de l'Afrique. Une Afrique qui se réveille, une Afrique prospère, comme le monsieur que vous voyez là. Ce bien-aimé que vous voyez là, c'est un panafricaniste. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, il a reçu ses affaires.
C'est un homme d'affaires. Nous prions pour lui pour que Dieu le rende prospère. Et en même temps, on mate la sorcellerie qui est autour Amen. De lui. Parce que quand tu as quelque chose à faire, c'est là les sorciers voient que ta chair est devenue tendre. Il veut te manger. Or, Zadi qui pousse au trou là. Pourquoi tu ne le manges pas? Parce que tu sais que ça vient de la zégo pour l'éléphant. Tu vas mettre une semaine pour le préparer. Tu ne veux pas. Mange-le. Tu ne peux pas le manger. Mais c'est les vrais gens là où vous voulez manger. Le feu sur vous. Vous les sorciers là, le feu sur vous. Et je prie que le Seigneur vous protège contre la sorcellerie. Le Seigneur vous protège contre les œuvres de la sorcellerie. Recevez une onction spéciale de Dieu. Et que nous sommes dans les derniers jours. C'est-à-dire dans les derniers jours. Pour, c'est-à-dire c'est une transition. C'est, voilà, les derniers jours pour atteindre 2018. N'est-ce pas? Que Dieu vous protège. Et que vous épargne de la sorcellerie, de la mort, de l'accident. Que Dieu vous épargne de tout ça. Que vous protège, que vous ouvre les yeux. Pour qu'autour de vous, s'il y avait un sorcier, qu'il soit démantelé et qu'il soit brisé. Amen. Que Dieu vous donne de l'argent. Parce que c'est important. Que vous ayez de l'argent. Et ça, c'est important. Les gens pensent que non, on ne doit pas prier. Mais l'or et l'argent appartient à Dieu. Sans l'argent, l'homme n'est rien. Amen. Que Dieu vous donne l'argent. Et qu'il vous donne la santé. Parce que sans la santé, on ne peut pas travailler. Que Dieu vous donne la santé. Et qu'il vous protège. Et que les yeux des sorciers soient crevés et vaincus davantage. C'était le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Je vous aime. Et j'aime bien ceux qui sont aigris. Ceux qui parlent aussi mal de moi, je vous aime bien. Parce que celui qui ne m'aime pas est un sorcier. Shalom, soyez bénis. On est ensemble. Je pars comme ça à Toulouse. Nous sommes en train d'aller à Toulouse. C'était moi.